Allez, salut à tous, c'est The Rock, on se retrouve aujourd'hui pour la 11e chronique qui cache énormément de nouveautés. Et évidemment, ne vous dites que la map n'a pas reçu énormément de modifications, mais comme je vous l'avais dit, j'ai fait mes valises pour prendre un nouveau départ. Un vieux villageois m'avait parlé d'une communauté vivant dans une petite ville où tout le monde était assez soudé, que cette ville n'était pas à deux pas d'ici, mais que ça valait la peine d'y aller faire un petit tour. J'en ai informé Power Ninja qui a préféré rester sur la map solo, comme ça il me donnera des nouvelles de la map de temps en temps, et également des nouveautés. J'ai donc pris plusieurs dizaines de métros pour arriver enfin à la gare de Newland, où Yola Crapule, directeur du serveur Newland, m'a directement accueilli sans problème. Après avoir vu ma magnificence, j'ai donc été promu administrateur pour développer ce magnifique serveur où j'ai commencé l'élaboration d'une nouvelle ville avec un style à moi, peut-être pas au goût de tout le monde, mais que je trouve sympa. La map a 3 semaines à l'heure où je vous parle, et c'est déjà un grand serveur. La ville principale est la ville qui, pour l'instant, est la plus impressionnante. C'est là où tous les citoyens viennent dépenser leur argent ou vendre leur objet. C'est également ici que ils ont trouvé un logement ou un terrain pour se poser. Le serveur Newland dispose donc de 2 administrateurs, moi Yola Crapule. I am the boss. Et également de 3 modérateurs, Mew72. Kikou. Arc-en-ciel. Quoi ? Titan du 49. C'est moi. Voilà, je peux vous dire que dorénavant nous possédons des citoyens très actifs qui ne font que démontrer leur motivation pour le développement du serveur. Je parle notamment de Star Sims, de Raiden, de Curls, de Fox le Troyen, Etoribio, Farnio, Nitromatrix, Terrorvus et bien d'autres. Dans tous les cas, merci à eux pour leur participation active sur le serveur Newland. Nous allons donc vous montrer tous les projets lancés sur ce serveur. Allez, commençons. Bonjour les amis, c'est Yola Crapule, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien sous ce beau soleil dans cette ville, Crapule Valley. Je vous accueille sans problème dans cette ville totalement RP où vous pourrez vous prélasser au bord de l'eau et toute cette forêt qui nous entoure. Le bar et la maison des métiers vous attendent, pourquoi pas faire de nouvelles rencontres et de nouveaux amis? À vous de venir découvrir Crapule Valley avec sa mairie aux couleurs de la France. Je vous attends, venez passer un séjour ici, vous ne partirez plus. Ma ville se nomme Imagilia. Pourquoi ce nom-là? Car tout simplement, en vrai, les biomes champignons n'existent pas, et cela est fictif. Si vous aimez terraformer des montagnes épiquement gigantesques, et que vous aimez les schtroumpfs, ou bien que vous êtes quelqu'un de très normal et de tout à fait d'un esprit, venez y habiter! Bon bah voilà, je vais vous faire une petite présentation de ma ville tout de même. C'est une ville faite avec des matériaux assez simples. J'attends des citoyens avec impatience, ce n'est pas le travail qui manque ici. J'ai pour l'instant la seule ville ayant une gare rejoignant la ville principale du spawn. Et je possède 2 citoyens que je salue, c'est Fox le Troyen et Reliant. Mon ami Mew72 m'a énormément aidé sur ce projet. Voici ce qu'il a pu faire. Et salut, tu sais, Mew72. Donc voici tout ce que j'ai pu faire sur la ville d'Elzig. Tout d'abord, le labo Redstone. Et ensuite, j'ai fait la gare qui relie la belle ville vers le spawn. Ouais, c'est rigolo. Te balancer un reste la gueule. J'ai aussi aménagé l'intérieur de la mairie
avec Edo. J'ai donc rempli tous ces coffres en minant et remuant. Alcilia n'attend plus que lui. Il a été expliqué que récemment sur le forum, les citoyens devront choisir dans quel projet ils voudront s'investir. Et ils ont également la possibilité de nous proposer leurs projets sur le forum. Vivement la prochaine chronique, j'ai envie de vous dire. Servant Newland est un serveur avec une petite communauté bien soudée et super sympa. Nous demandons pas mieux que agrandir cette communauté. C'est pourquoi je vous mets l'IP du serveur dans la description de la vidéo. Venez faire un petit tour. Je rappelle que les candidatures devront se faire par oral, sur Skype ou TimeSpeak 3. Dans tous les cas, venez nous voir, cela nous fait plaisir d'accueillir des nouveaux. La prochaine chronique aura sûrement pour but d'expliquer plus en détail tous les projets qui ont été commencés. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert si vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous désirez voir toutes les nouveautés que j'ai pu mettre. Voilà les Valous, après cette petite réclamation, je crains qu'il est malheureusement le temps de se quitter. Mais ceci étant pour mieux se retrouver à la prochaine chronique sur les serveurs Newland. Voilà, on va se faire de très gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye et salut Newland. Vive Newland! Vive